when they'll be new, well, I'm going to sit there. Now when we were here, there are many who was somewhere to meet up in our bed. Now when I doubt, but even I'm not too far, but then the moon struck at the rainbow. Now when we were here, there are many who was somewhere to meet up in our bed. Now when I doubt, but even I'm not too far, but then the. Alors, nous sommes en compagnie de Daniel Olivier. Donc, au terme de cette première boucle qui nous amène ici dans cette magnifique baie du Kernic, Daniel, qu'on appellera aujourd'hui affectueusement le doyen de l'épreuve. Alors, quel est son objectif pour cette course, Daniel ? Alors, mon objectif, bien sûr, c'est de bien terminer. Maintenant, ma jument a fait 2 étoiles, une fois à Corlay, avec un temps de récupération quand même long. Sur la piste, elle était bonne, très bonne même. Maintenant, on va voir aujourd'hui ce qu'elle va donner dans les Vengettes. Et puis là, maintenant, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Oui, bon, de toute façon, tu es habitué aux longues joutes où il faut s'armer de patience. Donc voilà, tu sais comment faire. Et maintenant, donc, on va aller sur Saint-Déria. On va changer de terrain, là, du coup. Oui, alors là, c'est un terrain que je ne connais pas beaucoup. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas couru ici. J'ai voulu revenir parce qu'il faut quand même essayer de favoriser les courses bretonnes. Et donc c'est vrai, je me rappelle plus trop comment que c'est cette boucle là. Merci Daniel, et puis ben écoute, bonne deuxième boucle, et on se retrouve à Saint-Dérien alors. D'accord. Voilà, nous sommes toujours donc positionnés à Kermat, donc le kilomètre 5 de la dernière boucle avec les poursuivants donc de. Ça veut dire qu'il y a pas de soucis, parce que Yves Durban y suit et il a été rejoint par Daniel Olivier, le 42-7, le 41 dans ce temps, Yves Durban qui lui court donc professionnel. Et voilà, donc ils vont maintenant se diriger vers l'hippodrome de Landy. L'hippodrome d'ailleurs que nous allons maintenant rejoindre. Donc les vétérinaires qui vont remettre leur appréciation à la présidente de jury qui annoncera dans quelques instants, quelques secondes, donc les résultats à Daniel Olivier qui joue pour une 3e position. Et c'est tout bon pour Daniel. Daniel donc qui prend la 3e place. 3e place. Mais aujourd'hui donc ça a été une belle course. Oui, ça a été une belle course pour cette jument qui est encore une fille de Fadazir, faut le dire. J'aime bien le dire. Et bon, c'était sa première à cette vitesse-là et pendant un moment j'ai cru que, enfin ça l'a fait, mais j'ai cru que je pouvais arriver au sprint avec les autres et avant d'arriver sur le champ de course. Je me suis dit qu'il fallait être raisonnable et puis bien rentrer. Mais c'est peut-être la raison Olivier, ça. Hein. Souvent, donc, on préfère vraiment mettre un petit peu en retrait s'il faut, mais plutôt que d'aller emmener un cheval dans le rouge, quoi. Oui, et puis je préfère arriver là au galop, quand même.
Ça fait mieux, c'est plus spectaculaire, c'est évident, hein, mais il n'y a pas de problème. Mais je sais que vous êtes des gens donc vraiment très très sérieux sur l'endurance. Et bon, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Et puis quand ça le fait un petit peu moins bien, il n'y a pas de problème. On ne va pas forcément aller chercher une première place pour le plaisir d'être premier, mais en prenant des risques. Oui, mais c'est sa première à cette vitesse-là, donc il ne fallait pas trop lui demander non plus. Quoi. Je pense que de toute façon, je n'aurais pas gagné le sprint. Mais je venais là pour faire un podium. Donc c'est chose faite. Et c'est chose faite. Il n'y a pas de problème, donc un podium parmi tant d'autres. Oui, il y en a quelques-uns. Hein. Déjà quelques-uns, même quelques victoires. En fait. Champion du monde que vivons. Hein. Là, je voulais y venir avec Yvon. Yvon qui donc, a eu toute la fierté le week-end dernier d'avoir donc, un produit de son élevage qui est devenu champion du monde des jeunes. Et là, je pense que c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Ben oui, c'est vrai. Faire naître une jument, l'élever, l'entraîner, l'emmener jusqu'à 10-11 ans et puis la vendre après... Qu'elle gagne deux courses, elle a gagné aux Émirats et elle gagne le championnat du monde. Et gagner un championnat, c'est quand même c'est une chose hors du commun. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui le font dans leur carrière. Et pour nous, c'est la deuxième fois qu'on a des chevaux qui gagnent le championnat du monde, puisqu'à la Ricard, elle avait gagné aussi. Voilà, c'est énorme, quoi. Et surtout, donc, un championnat du monde en France, même si le cavalier n'était pas français, donc c'est des amis des Émirats arabes, mais en France, devant vraiment tout le monde, et puis avec la manière en plus, quoi. C'est vrai que moi, j'étais pas présent. Jean-Marie était là. Toi, tu as tout vu aussi. La jument, d'après ce qu'on m'a dit, a dominé la course de bout en bout. Bon, ben, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, c'est certain. Mais bon, là, c'est vrai que pour l'élevage, pour tout le travail que vous avez fait depuis des dizaines d'années, pour Fadazir, parce que c'est vrai que le jour où tu as pris Fadazir dans tes écuries, ben, il fallait quand même avoir ce petit point de génie, quoi. Pour revenir à l'Andivisio, un circuit que tu connais bien et un hippodrome que tu connais bien, parce que tu as eu déjà de très très belles victoires aussi. Oui, c'est vrai, j'ai gagné trois fois en trois étoiles, avec deux chevaux différents, Ben Salou et Audrey Aldine. Ici, bon, c'est une course que moi j'ai toujours aimé, même si bon, c'est vrai que c'est un sol très dur, mais bon, Florac aussi et beaucoup d'autres courses. C'est des bons chevaux qui s'expriment sur ces courses-là, parce que des chevaux solides et... Puis voilà, on ne va pas les faire courir tous sur la moquette. Ça, c'est les hippodromes pour les purs sangs. Merci et félicitations à vous deux. Félicitations donc à Daniel pour cette troisième place aujourd'hui et le podium. Et on se reverra tout à l'heure sur le podium. Félicitations à Yvon et aux chevaux d'Armor pour la performance du championnat du monde de la semaine dernière et toutes les autres performances, puisque des excellents chevaux des écuries d'Armor. Il y en a un peu partout maintenant. Alors pour terminer cette journée, eh bien nous avons souhaité réunir les Oliviers. Sous le même arbre, si je peux me permettre, et avec toute la famille, donc également la belle famille qui a rejoint et qui vient grandir le clan des Armors et des Arvoriques, hein, puisqu'il y a deux appellations chez les Oliviers. Et je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur toute cette carrière très longue de tout cet élevage d'Armors et des Arvoriques. Et je vais demander peut-être à Yvon de nous donner ses impressions, parce que là, on va y revenir tout à l'heure, mais un très gros événement est intervenu dans leur élevage et avec un produit de leur élevage. Et son sentiment sur toute cette carrière, peut-être, Yvon. Oui, comme tu l'as dit, c'est un travail de très longue haleine. Il faut dire que Daniel et moi, on était passionnés de chevaux depuis notre plus tendre enfance. On s'intéressait bien plus aux chevaux qu'aux tracteurs. Et... Bon, après, évidemment, on s'est professionnalisé, on peut le dire. Bon, il y a l'élevage qui est très important et l'entraînement, mais tout s'enchaîne, quoi. Et j'insisterai beaucoup en disant que c'est un travail de famille, que chacun apporte son grain au moulin, comme on dit. Et voilà, et maintenant, je vois la nouvelle génération qui arrive. Paul, Lubin et Luce. Bon, on verra. Mais bon, on continue toujours avec la même passion. C'est parti d'une passion, on en fait notre métier. Et je pense que j'ai tout dit, à peu près. Merci Yvon. Alors Daniel, eh bien, le frère, toi, tu as une orientation un tout petit peu différente, peut-être moins d'élevage, le centre équestre, avec ta fille aussi, mais toujours quand même très très présent dans la discipline. Oui, alors nous, on a une orientation un petit peu différente parce que déjà, on fait deux disciplines, du CSO et de l'endurance. Les deux nous intéressent. Ça intéresse aussi Yvon puisqu'il vient nous voir. Et même, on est allé au CSIO de Bordeaux il n'y a pas longtemps parce qu'on est des passionnés et que nos soirées sont animées par des conversations
on parle d'équitation, on ne peut pas s'empêcher de parler d'équitation. Voilà. Alors, au niveau de l'élevage, Yvon s'est axé directement à fond vers l'endurance. Il a investi dans des étalons. Je m'en suis servi d'ailleurs pour aussi, notamment Fadazir. Et il a eu raison d'ailleurs, parce que quand on voit aujourd'hui ce que ça fait, on a aussi investi dans des chevaux et des poneys de CSO. Donc ça fait deux disciplines. C'est la différence qu'il y a, mais bon, c'est toujours le cheval. Les petits commencent à monter. Paul était au championnat de France cette année. Ça s'est bien passé. Et puis bon, ben voilà, on est content. Et aujourd'hui, on a deux arboriques sur le podium, deux produits de notre élevage à nous qui sont sur le podium. Donc là, on est content. Merci Daniel. Alors je disais tout à l'heure que parfois c'est difficile d'élever et puis parfois on a de grandes satisfactions. Et là, vous avez eu une très grande satisfaction récemment. Et Jean-Marie a eu la chance, la joie d'assister à cela. C'était lors donc de ce championnat du monde des jeunes à Tarbes. Et il y a donc un produit de l'élevage. Eh bien, qui finit premier. Alors Jean-Marie, raconte-nous ça. Comment dire ça bah, Cathy et moi, on a su que la jument courait. Bon, bah, c'est l'occasion d'aller la voir, surtout sur un championnat du monde. Elle était allée dans une écurie à Abu Dhabi avant, où elle a gagné là-bas une course, à Dubaï, 520 km, à 26 à l'heure. Et donc là, elle était sur le championnat du monde, à Tarbes, au jeune cavalier. Bon, elle a fait toute la course dans la tête. Et la dernière étape, elle est partie deuxième et elle arrive 12 minutes devant le deuxième. Voilà. Après, grosse satisfaction pour les veuves, parce que c'est une jument qu'on a fait naître, qu'on a élevée. Et c'est vrai qu'on on travaille pour ça, naître, élever, valoriser, vendre. Et là, c'est la grosse satisfaction depuis qu'elle gagne. Quoi. Voilà. Ouais, beaucoup d'émotions quand on y était. Tu vois. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr, ça fait que du bien pour l'élevage Armor, pour Fadazir. Il faut savoir que Fadazir, c'est le fils de Percy qui a le plus de gagnants en national, quand même. Faut pas l'oublier. Voilà. Et que la jument fait 1m48 et on veut. Aujourd'hui, on parle que de grands chevaux. Et on dit les petits chevaux, c'est des exceptions. Mais les petits chevaux, ils reviennent souvent, je pense. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas, parce que c'est un moment qu'on voulait mettre dans la pellicule. Grand merci à tous. Merci aussi au Cosquer qui s'associe à l'entraînement et tout ça. Et puis on vous souhaite de continuer encore longtemps. Longtemps. Merci. Caffè bella.